Super Yellow, Super Yellow. Bienvenue à Visée, la cité de loi qui défend bec et plume la bande dessinée. Connaissez-vous le team Natacha, la seule équipe cycliste avec un personnage de BD sur le maillot, la pulpeuse hôtesse de l'air Natacha? Embarquement immédiat. Super Yellow. Oh, Super Yellow. Alors pourquoi le team Natacha? Ah, parce que Natacha est née ici, simplement, en Visée. Vous êtes en train de dire que le dessinateur habite ici? Le dessinateur habite ici, mais oui. C'est qui? Ben, c'est moi. Et pour en avoir le cœur net, direction l'atelier de François Valtteri. Plus de 6 millions d'albums vendus pour son hôtesse de l'air. Un succès de haut vol, traduit en 8 langues. Et vous êtes amoureux de votre personnage? Je dis toujours que c'est la seule femme qui m'a rapporté un peu d'argent. Et Natacha est assez vieille, en fin de compte. Elle a 40 ans, Natacha. 40 ans d'existence. Pas si vieille, mais elle fait plus jeune. Ouais, mais elle a pas pris une ride, mais c'est pas comme le dessinateur. Malheureusement. Ah bah super, là, on va voir si t'es beau en dessin. Ça, c'est bien. Ça, c'est une très bonne chose. C'est Natacha, c'est cadeau. Oh, merci. C'est pour vous. Merci, Super Yellow. Est-ce que Natacha a le caractère des habitants de Visée? Oui, elle a un caractère plutôt de ce qu'on appelle les gens de la Basse Meuse. La Basse Meuse, c'est la région dont Visée est pratiquement la capitale. Ce sont des gens, en général, qui aiment bien la fête. Je crois qu'elle a ce caractère-là joyeux, aussi un peu à cause de nous. Nous, on est tous comme ça, ici. Waouh! La femme de ta vie. Super Yellette? Oui, oui. Waouh! Et attention Laurent, c'est l'heure de la question. Avant d'avoir créé Natacha, j'ai dessiné sur une BD de petits personnages belges mondialement connus. Lesquels? Personnages. Ah. Vanessa Demouy, David Brécourt, j'ai l'impression qu'on trouvait la réponse. Ouais, c'est les Schtroumpfs. Alors, réponse de Vanessa, regardez. J'espère que vous avez trouvé la bonne réponse. C'était les Schtroumpfs que j'ai dessiné pendant une petite trentaine d'années avec l'ami Payot. Bravo Vanessa. Oh mais merci. J'ai même pas eu besoin de l'aide de David en fait. Hein. Non, même pas.